Pour nous, les conférences gesticulées, c'est un des vecteurs qu'on a choisi d'utiliser. Par l'excuse du spectacle, toucher des gens qui ne seraient pas venus à une conférence traditionnelle, voilà. C'était une autre façon de toucher des gens, et notamment des gens moins convaincus. Il y a des gens qui vont venir parce que c'est un spectacle. Il y a un côté spectaculaire, justement, de dévoilement. Ah ouais, bah ouais. Pas seulement un discours bien construit, intellectuel, abstrait, militant. C'est pas un tract, si tu veux. Sans ça, ça serait des conférences. C'est-à-dire quelqu'un t'exposerait un sujet qu'il maîtrise, dont il est plus ou moins expert, et tu sortirais de là en disant « c'est vrai ». C'est vachement intéressant, il a raison. Conférence incarnée, si tu veux, c'est je vous fais partager ma nécessité personnelle intérieure, dans mon combat, dans mon existence. Les gens sortent de là en ayant pris une claque. D'un seul coup, ce discours politique, il fait sens. Mais il fait sens parce qu'il devient incarné, il devient humain. C'est ça la différence. C'est de sortir de cet isolement individuel. Cette femme qui vient me voir à la fin d'un spectacle, qui me dit « Monsieur, je voudrais vous dire merci ». Je dis « Ah bon ?» Elle me dit « Oui, parce que de découvrir dans votre spectacle qu'il y a un sociologue qui s'appelle Boltanski, qui a écrit un livre de 900 pages contre le projet et contre la méthodologie de projet, ça veut dire que je ne suis pas folle. » On se rend compte qu'il y a une efficacité politique tout à fait redoutable. Les conférences gesticulées, elles sensibilisent des centaines de personnes, même des milliers ou des centaines de milliers avec Internet. Tous les spectacles, on les a filmés au fur et à mesure et on les a mis en accès libre, en vidéo. Et du coup, on a touché des dizaines, puis des milliers, et puis des centaines de milliers de personnes avec des nombres de vues absolument ahurissants. Avec la SCOP, on essayait d'avoir à la fois des actions précises et concrètes localement, et en même temps une vision d'ensemble pour entraîner un mouvement et faire en sorte qu'il y ait pas mal de gens qui se re-questionnent par rapport au système dans lequel on est, quoi. Cette façon de reconnecter avec son envie, sa vocation, son éthique, je ne sais pas quel mot utiliser, c'est ça qui se passe dans cet objet qui sont les conférences gesticulées. Des méthodes, des consignes, des dispositifs qui n'étaient plus disponibles, qui ne sont pas la réunion, qui ne sont pas la soirée débat. Où est-ce qu'on se bat aujourd'hui avec un syndicalisme effondré, des partis politiques de gauche effondrés. Bernard Friot, qui vient de faire sa conférence gesticulée, il raconte la construction d'une hypothèse incarnée dans sa vie. Et quelqu'un vient me voir, quelqu'un de réseau salariat, donc quelqu'un qui maîtrise cette hypothèse intellectuelle et théorique. Quelqu'un vient me voir en disant « Ça fait 2 ans que je milite à réseau salariat, je viens de comprendre l'hypothèse de Bernard Friot. » Des centaines de personnes se disent « Mais moi aussi j'ai envie de faire ça, moi aussi j'ai des choses à dire, moi aussi je veux livrer mon savoir politique sous forme d'un objet un petit peu construit que j'offre. » Et maintenant on fait des formations. Où on invite des gens à parler d'eux alors qu'ils viennent pour parler d'un sujet. On fabrique des boules de neige. Cette forme de spectacle politique, d'éducation populaire, est en train de devenir un mouvement. It was the shining of the tube.